Salut, c'est Jaisper, je suis producteur de musique électronique sur Artfist Records depuis le début de l'année. Du coup, moi à la base, je suis un musicien qui vient du classique. J'étais oboïste au conservatoire Avignon. Et puis après, je suis passé à ce qu'on appelle les musiques actuelles. Donc j'ai commencé par le métal, le rock, la funk, le tango, tout. Enfin, j'ai passé par pas mal de choses. Et du coup, c'était de chouettes expériences. À la base, je suis plutôt musicien acoustique, enfin amplifié, mais dans le domaine des musiques actuelles et pas forcément sur la scène électro. Et j'y suis venu après, en fait, par des passerelles entre ces genres et puis par l'attrait du club. Du coup, le projet que je développe avec Artfist, c'est un projet vraiment house. Pour le coup, où le but c'est de faire danser les gens et de les amener sur le dance floor à fond pour qu'ils passent une bonne soirée. Je crois qu'on est tous là pour ça chez Artfist. Sur ce projet, j'essaie d'amener mon univers un peu photographique, un peu visuel et des fois un peu mélancolique aussi, mais toujours au service de la fête et au service d'une énergie cool où on passe des bons moments. J'ai commencé en fait à la musique électro en jouant avec des groupes de rock, notamment le groupe Flangers. Et en fait, du coup, très vite, j'ai eu aussi envie de faire des productions à côté et j'ai tout de suite voulu retrouver ce côté instrument. Au début, j'étais un peu perdu dans le monde du DJing en fait. Et du coup, je me suis mis vite à acheter des instruments, des synthés, des boîtes à rythme pour pouvoir retrouver ce truc de composition et de jeu en temps réel. Et du coup, c'est plus facile pour moi de me positionner là-dessus que d'arriver avec des platines. Je suis plus perdu. Et ça, du coup, ça, je préfère cette approche-là où je peux vraiment savoir ce qui se passe sous mes doigts et transmettre un peu ce que j'ai dans le cœur, quoi. En fait, je suis arrivé à la musique électro par le biais du rock, donc en fait par le biais de Radiohead, où je voyais un mec qui tournait des boutons sur des machines et je comprenais que dalle. Et du coup, ça m'a beaucoup intrigué, je me suis penché là-dessus. Et après, en fait, j'ai trouvé pas mal de passerelles par notamment beaucoup d'artistes allemands et anglais, et notamment tout ce qui va être B-Pitch, Ellen Alien, qui ont des côtés assez pop, assez mélodiques, et en fait, on s'y retrouve quand on n'a pas l'habitude d'écouter cette musique-là. C'est pas du tout inaccessible, c'est quelque chose qui parle, même si on n'a pas l'habitude des codes de cette musique. Et après, je suis venu au côté plus fouillé, plus cherché de cette musique-là. Et maintenant, j'écoute du Alvin Otto, j'écoute des trucs très dark, très minimalistes, qu'au début, j'aurais pas écouté du tout si jamais j'avais pas pu faire ce pas-là, de passer d'un univers à l'autre. Enfin, dans l'année à venir, on a commencé assez simplement là, avec une petite track sur un sampler vraiment chouette. Du coup, là j'ai commencé à monter le live parce que c'est chouette de jouer en live et de voir un peu ce qu'on ressent, quoi. Donc j'ai pas une énorme expérience là-dedans parce que j'ai fait beaucoup de live à côté en tant que bassiste, en tant que guitariste, sur vraiment de la scène musique actuelle. Et là donc du coup, je découvre aussi les joies du club, quoi. Et sur ce live-là, j'ai commencé avec beaucoup Ableton notamment, avec des contrôleurs. Et petit à petit, j'intègre des instruments et du coup de plus en plus, qui correspond vraiment à ma manière de produire en fait, à la base. Et donc du coup, je pense que je vais évoluer vers un live analogique. Le petit studio, le petit home studio qu'on voit là, c'est en fait 10 ans de boulot où j'ai passé toute ma paye dans ces machines, par passion. Et du coup, en fait, ça a beaucoup bougé. J'ai acheté des trucs, revendu des trucs, pour vraiment trouver la couleur sonore qui me correspond. Et ceux qui sont restés, il y a le Nord Modular. Nordrack maintenant, mais enfin j'ai toujours eu du Nord dans mon set, ça s'est resté longtemps, donc c'est une machine assez chouette. Les boîtes à rythme, j'en ai essayé pas mal, là je suis arrivé sur la machine drum récemment, ce sont des machines assez sympas pour faire ce genre de son, quoi. Donc là j'ai chargé une 808 dessus pour triper un peu, quoi. Et très vite on retrouve ce côté live, quoi. On peut jouer facilement, on peut après jouer. Je joue beaucoup aussi avec des effets en mode overdub.
Après, j'ai récemment, j'ai chopé lui, là, le petit Minitor, qui est vraiment sympa. Il y a le SH, qu'on va retrouver, le SH9 là, de Roland, qu'on va retrouver sur le live. Puis après, j'ai des petits trucs comme ça, des petits cadeaux. Genre, on m'a filé ce vieux sampler hardware, qui est très sympa. À l'époque, c'était IAM qui avait fait l'école du micro d'argent avec. Et ça a vraiment un grain chouette de hip-hop des années 90. J'ai Magneto à bande qui m'a été filé par mon papa. Petit LK2 aussi pour sampler. Une MFB, très sympa. Voilà, donc pas mal, un son assez froid, plutôt typé allemand en fin de compte. Qui va être, je pense, l'influence que j'ai le plus gardé au niveau de ma musique. Et ce qui colle très bien avec le label Artfist d'ailleurs, parce que la moitié des producteurs du label sont en connexion avec Berlin. Derrière moi aussi, j'ai pareil des petits cadeaux. C'est quelqu'un qui m'a filé ce Juno en fait. C'est quelqu'un pour qui j'ai fait un petit stage et du coup, en partant, je suis parti avec sa bécane. Il m'a dit bah, vas-y, prends-la, je m'en sers pas en ce moment. Voilà. J'ai des petits trucs partout, j'ai des instrus, j'ai tout ce que je peux mettre au service de l'Asie, quoi.